Salut les amis, et eh ben voilà, on est revenu. J'ai essayé de rentrer avec le camion. Mauvaise idée. Voilà, donc du coup il va falloir qu'on tire toutes les branches. Bon après elles sont bien rapprochées, hein, elles étaient au cerisier là-bas. Donc toutes les branches pour aller au broyeur, voilà. On s'est mis sur la route, pas le choix, parce que sinon on va y rester quoi. Donc voilà, un peu de signalisation. Un petit giro et puis voilà quoi. Donc c'est parti pour broyer. Voilà des petites traces quoi. Voilà. Bien joué. C'est comme ça. Bon bah allez, plus tard. Alors, on fait moi le malin sans charger. Hein. On fait le poney. Allez. Bon, eh ben il est 10h30, voilà, il n'y a plus de branches, on a broyé. Voilà, petit compte rendu de la matinée là. Hier j'ai fait un peu l'imbécile. Je pense sur les images d'hier, vous avez vu, j'avais mis la remorque avec le pick-up ici. Bon, fallait pas, parce que je voulais décharger le dingo. J'aurais dû décharger sur la route et mettre les branches bien plus près. Parce que ce matin, j'ai essayé de, comme vous avez vu, hein, j'ai essayé de rentrer et j'ai failli y rester quoi, en fait. Donc hier, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, petite leçon pour hier. Là, on a fini de... Le camion est plein, hein, c'est pile poil. Je dois être à 7 mètres cubes et demi. Là, voilà, on y est. Donc du coup on part à la maison, on va enlever le broyeur, on va aller décharger chez les maraîchers, comme vous avez vu, et on va se prendre un truc à manger pour revenir et faire les bois, finir de démonter le cerisier. Voilà, et on reviendra avec le chargeur. Voilà. Hop, on dételle et on va chez les maraîchers. Allez, bonne heure. On est sur la route pour aller livrer les copeaux là. Le camion est dandine des fesses. Hein. Et là, il est lourd, le bro. Ça lui pèse. On verra tout à l'heure. Conduis pas moi, conduis pas. Ah.
Ah bah une fois vidé, il est beaucoup moins lourd, hein, ça lui fait du bien. Il aime bien ça, il peut rouler un peu mieux quand même. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. You're delirious, mysterious because you. D'ailleurs, on est de retour. Hop. Vire tout. Comment? Ouais, tu peux le mettre là, ouais. Comment? Bah non, tu le mets dans le gabarit quand même. Dans le gabarit, là. Voilà. Voilà, juste comme ça, c'est pour signaler l'arbre. Voilà. Hop, le chien. Et... pas oublier de resserrer le robinet. Avec le sourire. Je suis à une main. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire de la vidéo? Ça touche? Bon bah je reste là, c'est impeccable, comme ça je sors avec le chargeur, puis je vais mettre les bois directement dedans. Bon, je ne vous ai pas repris dès qu'on est arrivé, parce qu'on a mis en place sur la route, voilà, j'ai fait quelques images, mais on a mis en place la signalisation, les plots, voilà, puis le camion. Donc on est revenu vers le cerisier. Et donc là je m'équipe pour grimper. Ça aurait été bien si le voisin il voulait conserver le bois, on lui en aurait envoyé un petit peu. Ça aurait été pas mal, alors pas les gros diamètres hein, parce que le point de greffe là sur le cerisier il est gros. Hein. Donc après il faut avoir de quoi fendre. Mais si au moins on avait pu laisser les petits bois ou les bois qui pouvaient prendre, ça aurait été pas mal. Mais ce n'est pas le cas, donc pour l'instant, enfin c'est pas le cas, on lui a pas demandé, donc voilà. D'abord de l'autre côté, hop, ensuite on met ça. Pas dans le cran. Voilà.
bouge avec la gorge. Ça. Ah bah oui, c'est magique, ça y va. On resserre. Serre un peu. Hop, un petit coup de sur la chaîne. Et ensuite on resserre ça au taquet. Alors après il faut mettre un petit coup de. Un petit coup comme ça. Voir si c'est bien. Tendu comme il faut. Hop là. Tiens, hop là. T'as amené notre batterie ou pas? Oh bah, la clé dans les doigts, ça fait mal maintenant. L'autre chose, t'es. Elle est pleine, non? Je suis à 3 bars. Je vais aller en chercher une autre au cas où, parce que quand je vais entamer. Tu vas peut-être prendre la grosse après, hein? Comment? La grosse? Non, non, la grosse, ce sera en bas. Non, je vais faire tous les morceaux avec celle-ci. Comment? À un moment donné, tu pourras l'envoyer directement. Après, oui, on va l'envoyer directement, mais pas tout de suite. Ferme les poches parce qu'après c'est plein de copeaux. Madame elle dit que dans la machine à laver ça passe pas des masses. Hop là. Ouais, je pense à mettre ça là sur l'écho. C'est Dreyer qui fait ça là, un fabricant. Hop là, permet d'avoir le crochet, pas avoir de mousqueton, c'est un peu plus léger. Et ben c'est parti. Je suis en train de couper un des axes sur le cerisier là et on s'aperçoit bien. Hein. Alors, par contre, il y a tout le pourtour, hein. Donc je me suis mis dessus. Ça tient encore, mais grosse altération quoi. Grosse altération et puis on voit à l'intérieur là le blanc là. Il y a du blanc ici là. Donc ça c'est la gomme je pense du cerisier. Voilà. Ça sent le ver de terre. Donc effectivement, regardez, il y a un ver de terre.
asticots là. Je vais les enlever parce que quand on va abattre, ça va encore faire des trous. Donc du coup, je les enlève avant. Elle veut bien descendre. Voilà. Oui, yes. Alors merde. Et voilà, fin de chantier pour aujourd'hui. On part, on laisse comme ça. Pour l'instant, demain, grignotage de la souche. Voilà, là on a rassemblé au souffleur. Voilà, donc il est coupé. Voilà, donc les bois sont là. Du coup, on a tout rassemblé proche du portail. Voilà, donc il n'y a plus qu'à charger ça demain et à grignoter les 2-3 souches. Voilà, merci d'avoir regardé. À demain.